parole. Je passe. Oscar, ça te joue? Je passe aussi. Oscar! Non. Je passe. Alors Adèle, ça avance avec Lucien? Je dois dire que le feeling passe plutôt bien. D'ailleurs Oscar, ça se passe bien avec les filles? Ouais, ça va. D'ailleurs, pourquoi tu portes tout le temps ce bonnet là? On dirait un dealer. Mais c'est pour cacher ses bouclettes, pas vrai mouton? J'ai juste oublié quelque chose, donc je reviens. Bonjour. Bonjour. Tu voulais jouer? C'est bon? Punaise, mais t'abuses, t'as vu la salle, l'état de la salle de bain là? Tu ranges rien, tu fais rien. Te parler deux minutes. En fait, j'ai un bus qui va pas tarder à arriver. Je vais devoir y aller. Mais je vais pas te déranger longtemps. Je t'ai souvent entendu jouer au piano après les cours et je me disais que tu pourrais peut-être pour le bal de fin d'année jouer un morceau. D'accord. Peut-être y réfléchir. Mais... D'accord. On me redis ça demain. Très bien. Merci. Au revoir. Alors après, on pourrait parler du fait qu'aux États-Unis, la vente d'alcool était interdite et du coup, ça place la prohibition dans le truc. Oscar ? Ouais, bonne idée. On m'a dit que t'allais jouer du piano au bal de fin d'année. Je joue un morceau. Ouais. Mais depuis quand tu sais jouer du piano, toi ? Je m'y connais pas trop, mais... Ah bah toi là, je t'avais dit que j'avais besoin de toi ce matin. Hein? Qu'est-ce que t'es encore allé faire? Bah, tu penses vraiment pas à nous. C'est insupportable. Puis réponds-moi quand je te parle. Oh! Clochard, franchement, t'es super bizarre. T'es super chiant comme mec. Un connard. Tu t'habilles trop mal. C'est ton pote, là. Ton pote, j'ai oublié son prénom là, tu sais, le mec chelou avec son bonnet. Ah, pas aussi à venir, ouais. Mais de toute manière, il s'est pas vu du piano, du coup, je pense qu'il va pas venir. Ah oui. Ouais. Ouais. Donc on peut remercier Lucien qui était à la batterie et maintenant on va passer à Oscar qui va nous jouer du piano et nous interpréter une vraie.